Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité pour la dernière émission de l'année 2020 est Sacha Oulier, député à la République en marche de la Vienne. Bonjour Sacha Bonjour. Oulier. On commence tout de suite, hein, si vous le voulez bien, avec les décisions annoncées jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex concernant les fêtes de fin d'année, couvre-feu dès 20h sauf le 24 au soir, assortie de contrôles policier renforcé, salle de spectacle et musée fermée pour encore trois semaines. Est-ce que vous êtes en phase avec ce qui a été annoncé Complètement complètement parce que d'abord ça correspond à la méthodologie qui était annoncée pour le déconfinement. Et là, on a tiré les leçons du premier déconfinement qui a eu lieu le 11 mai où il est progressif puisqu'on a commencé le 28 novembre par la réouverture de certains commerces. Il y avait une étape au 15 décembre où on avait donné une condition, celle d'atteindre 5000 contaminations au jour. On n'y est pas. On n'y est pas et il faut le dire malgré les efforts des Français parce que ces efforts ils ont été significatifs, les mesures où elles ont été plus drastiques dans notre pays avec aujourd'hui une situation qui est meilleure que dans tous les autres pays de l'Union européenne. Et donc, par rapport à ça, il a fallu adapter. Certes, on lève le confinement, ce qui veut dire qu'il y a plus d'attestation et qu'il y a encore Alors, des nouvelles activités. Plus d'attestation, mais remplacé par une multiplication des contrôles de police, à ce qu'il n'y a pas pour le coup pour là, le couvre-feu. Une... Pardon Pour le couvre-feu. Pour le couvre-feu, j'entends bien, oui. bien sûr. Pour le couvre-feu, mais qui, a, qui aura lieu à partir du 15 jusqu'à. Jusqu'au 7 janvier. Jusqu'au 7 janvier, sauf le 24 au soir. Ce qui a quand même, malgré tout, une infantilisation, pour ne pas dire un flicage de la population française. Déjà, les détestations, on était quand même un des rares au monde à faire ça. Et là, a... quand on le renforcer déjà, s'ils sont possibles. Parce que... Alors, il n'y a pas de flicage. Euh, par contre, il faut assumer qu'il y a des restrictions de liberté. Et ça, on doit le dire euh, aux Français, parce que c'est une réalité, et parce qu'ils l'ont bien compris, et que par ailleurs. Euh, et ce n'est pas forcément mes mots parce qu'il y a des gens qui, euh, qui l'ont repris. Les Français se sentent protégés. Et ces mesures-là, elles ont un impact parce qu'elles permettent à la fois de baisser les entrées à l'hôpital, de baisser donc, euh, les, les fréquentations en réa, de baisser le nombre de morts. Et encore une fois, je vous le dis, d'avoir une situation qui est meilleure. Donc de pouvoir réouvrir dès qu'on le peut. Euh, on sait que l'étape du 15 décembre ne sera pas pour euh, les établissements recevant du public, salles de cinéma, théâtre ou enceinte sportive, mais on veut le faire ou le musée, plus tôt possible. musée, ou zoo. Ou, ou musée, ou zoo, mais voilà. Mais on veut le faire le plus tôt possible parce qu'on sait que c'est quand même difficilement soutenable pour beaucoup. On mesure aussi l'impact psychologique pour les personnes. Et, euh, et on a tous envie de retrouver la liberté. Franchement, Sacha Oulier, quand on regarde les photos des transports en commun bondés, mais que l'on interdit toute présence dans les musées, les salles de spectacle, franchement, nombreux sont celles et ceux qui ne comprennent pas cette différence de traitement. Il y a deux poids, deux mesures. Certains, même dans le monde de la culture, parlent de mépris gouvernemental pour la culture. Alors, d'abord, vous savez que sur les transports, on a essayé de limiter les fréquentations par plusieurs mesures. D'abord, le télétravail, qui fait l'objet d'un accord. Euh, il n'empêche, il n'empêche, y a beaucoup ensuite, de monde dans les transports en commun. Ensuite, par des baisses de fréquentation, des, en tout cas des baisses de, de de fréquence sur les TGV, sur les trains, pour qu'il y ait moins de déplacements, pour limiter les déplacements. Pour qu'il y ait plus de monde dans le TGV plutôt que moins non, de monde dans, les, dans pour, les trains pour les On limite trains. aussi euh, les déplacements pour qu'on ait moins d'interactions entre nous. Par ailleurs, il y a des études et tout, tout est appuyé finalement derrière le Conseil scientifique, avec euh, qui rend des avis, qui dit ce qui est possible ou pas possible. Exemple sur si l'isolement contraint. Le Conseil scientifique nous avait dit que c'était pas une bonne idée. J'en suis très content parce que j'y étais opposé. Et donc, sur cette question-là, c'est avec l'avis du Conseil scientifique qui nous a dit que les lieux de contamination les plus importants, c'étaient les bars et restaurants que les un peu moins importants, c'était sur les lieux culturels. Et donc, il y a aussi leur fermeture. Il n'y a aucune et, étude qui a été faite par rapport à ça, la contamination dans les salles de spectacle. Il y a des études qui ont été faites, pour le coup, et qui sont publiées et qui ont y a été Une reprises. étude, aux États-Unis. et Il y a, en y a, y a en une France. étude sur laquelle s'est appuyé le Conseil scientifique qui aujourd'hui justifiait à la fois la fermeture, mais aussi la réouverture progressive. Vous comprenez néanmoins que les gens soient choqués, en tout cas qu'on ne prenne pas tout simplement, qu'il n'y ait pas une... Beaucoup de fois, on nous dit euh, ah oui, mais les Français non. Il faut faire plus de pédagogie vis-à-vis -vis des Français. Là, franchement, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie pour m expliquer pourquoi les, 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 les transports en commun euh, sont, les avions, euh, voilà, ils demandent dans les avions, mais pas dans les salles de spectacle, pas dans les cinémas où on peut mettre une personne simplement sur trois sièges. Euh, moi, enfin, je, je, peux, je, trois peux, sièges. je peux comprendre l'incompréhension. Euh, et paraf, parfois, il est vrai qu'on explique mal. Typiquement, si on prend le cas des stations de ski, euh, pourquoi on a mal expliqué bah, bah, En fait, dans les stations de ski. Ce pas tellement la fréquentation qui pose problème, c'est les accidents qui engendrent des entrées à l'hôpital. On ne peut pas faire des entrées à l'hôpital quand on a des hôpitaux qui sont saturés par le Covid. Voilà pourquoi il y avait la fermeture des remontées mécaniques. Donc il y a parfois, on doit mieux expliquer, mais je, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de compréhension, en tout cas beaucoup d'indulgence, je dirais, des, des personnes parce qu'elles savent que, quelque part, ce que nous voulons d'abord protéger, c'est les vies humaines. La commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la Covid-19 accuse le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, d'être responsable du manque de masques à l'arrivée du virus, sans avoir averti Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. C'est une accusation très lourde. D'abord, il faut reconnaître une chose euh, qu'on ne peut pas nier c'est qu'il manquait des masques. Et ça, euh, c'est assez clair. De fait, fait puisqu'il y a eu un fait, problème au niveau de la commande. De fait, il manquait des masques. Maintenant, le Parlement, dans son ensemble, enquête pour savoir pourquoi il manquait des masques. Il euh, y, y a des, des de réponses quand même déjà là il y a des documents et notamment un email qui a été transmis par, par Jérôme Salomon. Par... non par Jérôme Salomon enfin, en tout cas à la commission d'enquête de... du Sénat par Jérôme Salomon lui-même a transmis cette cet email à la commission d'enquête qui a fait son travail maintenant vous savez le parlement fera son travail et établira les responsabilités mais on n'est pas encore au stade où on peut se permettre de dire qu'on est sorti de la crise et que on doit jouer quelqu'un. Donc quand quelqu qu on n'est pas sorti de la risque. crise, on ne dit rien. On je ne dis tait. pas qu'on rien parce que pour le coup, on, on montre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, on a montré par ailleurs que des décisions avaient été bonnes et que d'autres avaient été moins bonnes. On est sur une gestion de crise et le but, c'est d'en sortir. Et Mais je pense que c'est le, le plus important aujourd'hui. Quand les sénateurs reprochent également au ministre de la santé Olivier Véran et au gouvernement d'avoir sciemment, je dis bien sciemment dissimulé le fiasco des masques. Bah, ça ça, C'est quand même est... le Parlement, une partie du Parlement, oui. qui dit, bah voilà, là, il y a un gros problème, un vrai problème. Vous connaissez la majorité au Sénat Donc, ce n'est que politique, il n'y a, a pas non, de vérité là-dessus, je, 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 je vous ai dit, j'ai commencé par avouer le péché, qui était un péché originel, et qui est de dire, euh, on n'avait pas suffisamment de masques. On avait une deuxième chose, qui était que l'OMS, donc euh, pas la France, hein, l'Organisation mondiale de la santé, nous disait, le masque, au départ, ce n'est pas forcément utile. Il s'est avéré que cette position mondiale a été revu pour dire « Finalement, le masque, c'est utile ». Et donc, par rapport à ça, on a revu des positions. Maintenant, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres pas. On pourra parler des choses qui ont fonctionné, notamment sur le soutien aux entreprises ou sur la façon dont on a accompagné le chômage partiel. Meilleur système de protection mondiale en France. non on ne parle et pas de ce qui ne fonctionne pas. Si, si, et on l'admet. Et moi, je vous dis, les masques, ça n'a pas marché. Sacha Oulier, il y a depuis pas mal de temps maintenant une tension dans ce pays qui semble se renforcer de jour en jour. Ça a commencé il y a deux ans à peu près avec les Gilets jaunes et ça continue aujourd'hui avec la multiplication des violences policières d'une part, puis des violences contre les forces de l'ordre d'autre part. Pour ne rien arranger la proposition de loi sur la sécurité globale, mais un peu tout le monde à cran. Avant d'entrer dans le détail, comment expliquez-vous cette tension très française finalement D'abord, vous l'avez dit, les, les violences. Euh, dans les manifestations ou dans la société, elles sont pas inhérentes euh, à saint On les voyait déjà dans les manifestations contre la loi travail en 2016, et puis on voyait déjà des, des faits divers qui étaient euh, très perturbants et en tout cas glaçants pour beaucoup de, de Français. Euh, re... D'ailleurs, on a bâti un programme qui en tenait compte autour du recrutement de nombreuses forces de l'ordre supplémentaires, 10 000, parce que mal formés. On pourra revenir, mais, on va, on va, on va mais y revenir. Vous avez... Mais vous ne vouliez pas, pas, pas de la précision tout de suite. Donc, 10 000 agents supplémentaires, là où dans, dans les années précédentes, surtout sur le quinquennat de 2007 à 2012, 12 500 avaient été supprimés. Et puis, on savait également que dans les manifestations, il allait falloir faire un, un peu d'organisation parce que euh, aujourd'hui, euh, les, les services d'ordre tels qu'ils existaient lorsque euh, on était un peu plus jeunes n'existent plus. Et que par ailleurs, les débordements avec les Black Blocs, eux, se sont renforcés. Donc on y travaille, il y a eu une réforme de l'organisation des manifestations, et puis il y a des dispositifs légaux. Et ce, lorsque vous parlez de la sécurité globale, il, rem... a, il y a Pardon. des dispositifs qui répondent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bons, et on va en parler, bien entendu. Mais il y a des solutions. Le comportement de, des forces de l'ordre, et donc en particulier de la police, on l'a vu, pose problème. Le ministre de l'Intérieur est sur la sellette. Gérald Darmanin admet des problèmes structurels au sein de la police. On en parle avec vous, Sacha Ollier, juste après ce reportage. Passage à tabac d'un producteur de musique. Évacuation controversée de migrants. Face à la multiplication d'incidents impliquant les forces de l'ordre ces derniers jours... Gérald Darmanin a esquissé à l'Assemblée un début de mea culpa sur l'organisation de la police. Il y a aussi peut-être des problèmes structurels, qui ne datent pas d'hier, avouons-le, de donner à la police de la République, à la gendarmerie nationale, les moyens de l'exemplarité qu'on exige d'eux. Pour le ministre de l'Intérieur, il y a d'abord un problème de formation. 12 mois en 2015, 8 seulement aujourd'hui. L'idée était de déployer plus de policiers sur le terrain plus vite, même si ces derniers n'étaient que stagiaires, ce qui ne fonctionne été... pas selon ce syndicaliste Moi. policier. Avec le terrorisme, les effectifs ont été renforcés et l'objectif c'était de raccourcir certaines scolarités pour avoir des personnels, 10 000 qui étaient promis, plus rapidement sur le terrain. Malheureusement, ça se fait au détriment de la qualité et du recrutement et de la formation. Autre piste d'amélioration pour le ministre de l'Intérieur, le recours aux caméras piétons, fixé comme ici sur le gilet du fonctionnaire. Les images peuvent servir de preuve en cas de plainte, mais elles sont aussi dissuasives et peuvent permettre de pacifier On les relations la entre la police et la population. Voilà, comme ça. La police nationale en a reçu plus de 10 000 ces dernières années, mais la qualité laisserait à désirer selon certains syndicats. Malheureusement, le fonctionne de 2h, heures, 3h, heures, elle s'arrête parce qu'on a acheté des caméras piétons qui sont, qui sont bidons. Dernière réflexion, l'affectation des jeunes policiers peu expérimentés qui héritent souvent d'un premier poste difficile. Dans les quartiers là, les plus là, sensibles. Les Retour sur le plateau de dimanche en politique avec Sacha Oulier, député LREM de la Vienne. En tant que membre de la commission des lois, vous avez auditionné Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale. Vous dites qu'il a fait amende honorable. Est-ce que c'est suffisant après tout ce qu'on a vu cette dernière semaine D'abord, ce qu'il y avait besoin de faire, c'était de dire que les violences qu'on a vues, elles sont inadmissibles. inadmissibles. Que les auteurs euh, devaient être condamnés. Ils ont été suspendus à titre temporaire. Ils devront être révoqués et ils seront traduits devant des juridictions pénales pour les méfaits. c'est pas que si ces violences sont faites, c'est parce qu'elles sont viens. permises. J'y viens. Si vous voulez, et ce que j'allais vous dire, c'est qu'au-delà de la responsabilité individuelle, il y a une responsabilité hiérarchique. C'est précisément ce que j'ai dit au ministre lors de l'audition de la commission des lois. Et c'est là qu'a été esquissée, notamment, toutes les pistes de réforme dont, dont vous avez parlé. Et c'est pas des réformes. Euh, qu'on qu découvre parce que c'est déjà des choses qui avaient été évoquées par son prédécesseur dans un discours le 8 juin sur les discriminations après euh, justement les mobilisations euh, suite à la, au décès de George Floyd euh, ou de Céric Chouvia. Euh, c'est déjà des choses qu'on savait. On a déployé beaucoup plus d'agents sur le terrain et on s'apprête à le faire encore mieux avec la mutualisation des services de police municipaux et nationaux. Ça, c'est un des objets de la loi sécurité globale. Où un, on ministre un ministre, ça ne démissionne plus. Comment Un ministre, ça ne démissionne plus. Écoutez, je pense qu'on. Enfin, vous connaissez par ailleurs les euh, parfois euh, des accords que je peux avoir avec euh, Gérald Darmanin. Je les ai exprimés. Euh, N'empêche qu'il euh, faut aussi de l'opérationnalité et il faut aussi qu'on change les choses dans la police. Lorsque il est annoncé une réforme de l'encadrement, davantage de formation, des dispositifs antidiscriminatoires euh, dans, la, dans la police. Lorsque euh, on annonce euh, une amélioration des conditions matérielles, une généralisation des caméras piétons, et ce qui a été dit. Euh, par le, le syndicaliste policier. Je le savais parce que, et je l'avais déjà dit au ministre, il y a des questions écrites qui en attestent, parce que j'avais visité le poste euh, des trois cités où on avait bien vu, euh, avec les agents qui sont présents, que la durée euh, d'autonomie des caméras piéton, elle est de deux heures, et que ce n'est pas suffisant, et qu'il faut remplacer ce genre de matériel. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a fait remonter, pour lesquelles on s'est battu, pour lesquelles on les a imposées parfois au ministre et à son administration, tout comme aussi une évolution de l'inspection générale de la police nationale. Et donc, c'est que des choses qu'on peut saluer. On se bat pour le fond, moment, on ne se bat pas pour les hommes. Ouais, enfin, pour la DGS, pour le moment, c'est des mots, on verra bien, parce qu'on sait que c'est très très compliqué à faire bouger euh, tout ça. Euh, c'est déjà quelque chose qu'on avait entamé en, en juin dernier. Emmanuel Macron a annoncé donc un beau, beau de la sécurité en janvier prochain pour améliorer, dit-il, les conditions d'exercice des forces de l'ordre et consolider les liens avec les Français, tout en parlant des contrôles aux faciès, ce qui a fortement irrité les syndicats de police majoritaire, de Alliance et Synergie. Du coup, ces deux syndicats seront absents de ce beau de la sécurité, c'est ce qu'ils ont en tout cas annoncé. Écoutez, nous ne poudre, nous nous répondrons pas à l'invitation tant que le président Macron ne donnera pas suite à nos revendications sur la protection du policier et alliance Ce n'est pas avec un séminaire et avec des élus et des citoyens triés sur le volet qu'on va régler le problème des clats synergie-officier. Donc du coup, ça va servir à rien tout ça, Sachaouli. Non, mais quand, quand on veut que les choses évoluent, on doit parler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut parler avec les syndicats de police. Avec les, les, les jeunes qui vivent ces situations dans les quartiers, avec les citoyens qui ressortent aussi parce que on a des panels comme ça qui le permettent, et puis avec les élus locaux parce qu'ils sont en charge de la police municipale. Donc, moi, je pense que ça va servir à quelque chose. Je regrette que les syndicats n'y prennent pas part parce que notamment lorsqu'il a s'agit d'améliorer leurs conditions matérielles d'exercice, ou lorsqu'il s'agissait d'améliorer la formation, ou lorsqu'il s'agissait encore de pouvoir adapter leur protection. Notamment via le fameux article 24, qui sera beaucoup plus utile dans la loi euh, renforçant les principes Mais à républicains. Mais servir s'ils ne viennent pas que, les syndicats que je vous... Et d'abord, on connaît beaucoup de leurs positions. Maintenant, ce que je les invite à faire, c'est à venir les défendre et à les expliquer. Et surtout à ce que ces positions, elles soient exposées en présence de contradicteurs. Comme ça, c'est comme ça qu'on construit des consensus. Oui. Quand euh, on a une contradiction, on dit sur ça, on n'est pas d'accord. Sur ça, on partage le constat. Mmh. Et donc, à partir de là, effectivement, bah, on renforce l'encadrement de la formation. On va revenir dans un instant sur l'article 24, si vous voulez bien, mais juste avant une autre polémique autour de la sécurité, trois fichiers dans les mains de certains services de police et de gendarmerie vont pouvoir recueillir de nouveaux types d'informations sur des individus considérés comme dangereux pour la sécurité publique, pourront désormais figurer dans ces fichiers les opinions politiques et les convictions philosophiques et religieuses, et non plus seulement les activités politiques ou religieuses. Les personnes morales, en l'occurrence les associations, pourront désormais y figurer. Est-ce que ça vous choque est-ce que vous trouvez ça normal D'abord, est-ce que c'est Big Brother qui arrive en France un peu plus en tout cas Non, alors c'est une actualisation des fichiers qui existaient déjà pour la radicalisation, pour la lutte contre la radicalisation. Mais ce qui était totalement illégal jusqu'à présent. C'est euh, la CNIL justement qui nous, a demandé de, euh, qui nous a demandé, je le dis avec euh, beaucoup de distance, parce qu'il a demandé au gouvernement, pour être plus précis, de réactualiser ces fichiers, ça fait l'objet d'avis du Conseil d'État, il y a encore des modifications à faire et je peux vous garantir que à la commission des lois, on va veiller que ces modifications soient faites pour qu'elles soient conformes au droit, pour que l'usage en soit limité et pour que l'accès aussi parce que c'est aussi quelque chose qui est important, l'accès à ces fichiers en soit aussi très 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 largement circonscrit. Vous comprenez que ça puisse faire peur de pouvoir ficher de cette manière-là, les le idées des gens je le et comprends uniquement leur activité je, je le comprends je le comprends d'autant plus que euh, on, on cherche à limiter ce genre de choses ces fichiers sont autorisés par la loi sont autorisés sous le contrôle des autorités indépendantes et du conseil d'état et' il nous appartient de vérifier euh, soit à la commission des lois soit par des recours juridictionnels en conseil d'état si tout cela est bien conforme au principe de droit mais encore une fois euh, sur ces questions il faut être euh, Très Rigoureux et nous le sommes parce que nous opérons un contrôle qui est absolument rigoureux. Alors, il y en a qui sont très rigoureux, ça s'appelle l'ONU, et pourtant, euh, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU interpelle la France sur les euh, violences policières, les discriminations. Ça vous gêne pas un peu que l'ONU mette au banc international la France sur ce problème de sécurité publique D'abord, vous savez, si on peut dire tout cela sur la France, c'est aussi parce qu'on a l'occasion d'en parler, parce qu'on est en démocratie. – Ce n'est quand même pas non, ça mais, qui va faire que c'est ce que, ce que, ce que une je, bonne chose. – Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui en France, le contrôle parlementaire est très exigeant sur euh, mmh. les actions du gouvernement. Et d'ailleurs, euh, j'y prends toute ma part parce que je ne suis pas le dernier à dire ce qui ne me convient pas en termes de fichiers, en termes de mesures de police administrative, donc celles qui sont à la main des préfets, ou en termes de renforcement des sanctions judiciaires lorsqu'elles existent. Et d'ailleurs, j'avais… – Que l'ONU nous prévienne de ça, ça vous... J'avais alerté sur certaines dispositions qui ont fait l'objet de censure du Conseil constitutionnel. Donc, le régime juridique en France, il est encadré. On est toujours en état de droit. D'ailleurs, il y a un contrôle qui est renforcé par le Conseil. Pour comment ça se passe Vous faites des recours en référé liberté ou en référé suspension, et le tribunal délibère. Et de temps en temps, il arrive qu'ils censurent les projets de décret du gouvernement, ce qui est tout à fait normal parce que c'est ainsi que fonctionne les actes de droit. La suppression de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale pardon serait justifiée, avez-vous dit Exactement. Et s'il ne l'est pas Supprimer. Vu l'avis. Pour vous c'est fait, c'est réglé. Vu vie du garde des sceaux. Vu euh, ce qui a été dit par le président de la République. Et vu les précisions qu'on a apportées. Pourquoi cet article était mauvais Parce que cet article D'abord, on n'a pas été capable de l'expliquer. – Déjà, il n'y a, était... a pas eu de concertation en amont entre le ministre de l'Intérieur et les autres ministres concernés. Aussi, mais si vous voulez, sur le Ça fond… – Ça change beaucoup de choses par rapport à l'autre… – Sur le fond, qu'est-ce qui pose problème loi. Un article dans le droit de la presse, un article qui parle d'intention plutôt que de droit ou de fait, et un article qui isole une catégorie plutôt que de protéger l'ensemble. Pourquoi celui de la loi confortant les principes républicains, il est meilleur Parce qu'il dit que toute diffusion d'une information qui pourrait porter atteinte à une personne, eh bien, sera sanctionné. Que si c'est un agent public, et donc si c'est un fonctionnaire territorial, un professeur ou un policier, le tout dans la même catégorie, eh bien, la sanction sera encore plus importante et tout cela sera au code pénal. Donc, c'est beaucoup plus protecteur beaucoup plus englobant, beaucoup mieux rédigé, sera donc beaucoup plus utile et efficace. En faisant appel à une commission indépendante chargée de proposer une réécriture de l'article 24, Jean Castex n'a-t-il pas court-circuité clairement et définitivement le Parlement à ce niveau-là Absolument, et c'est pour ça qu'on a dit qu'on était défavorable à cette solution et qu'elle a été revue puisqu'elle a pour objet d'analyser les dispositifs de la loi sécurité globale, mais plus de réécrire l'article 24. Vous avez confiance dans la politique de Jean Castex aujourd'hui Je l'ai voté, la confiance. J'ai dit dès le départ que j'avais certaines réserves. J'ai dit que sur la politique économique ou sociale. L'interventionnisme qui était celui de l'État. Donc le fait qu'on mette beaucoup d'argent pour surmonter la crise, que l'on accompagne les plus précaires et les plus fragiles, ça me convenait totalement. C'est ce qui est fait. J'ai dit que j'avais certaines réserves en termes de liberté publique, et donc je l'exprime à chaque fois que j'ai l'occasion dans ma mission de contrôle. J'ai dit que j'avais des attentes précises sur la loi, luttant, en tout cas luttant contre le séparatisme, et sur ces sujets, je travaille, et notamment j'ai reçu cette semaine... À l'Assemblée nationale, l'observateur de la laïcité. On va en parler que tout cela soit bien borné dans la loi, et jusqu'à présent, ça l'est, donc j'en suis ravi. On va en parler très rapidement tout à l'heure. Juste une chose Emmanuel Macron a accueilli cette semaine le président égyptien lors d'une visite d'État. Aucune image, sauf celle, si celle qu'on voit là, n'a pu être tournée ou diffusée par la télévision française, les télévisions françaises. Il faut aller sur le site de la présidence d'un pays autoritaire comme l'Égypte pour voir l'essentiel de cette visite d'État. Bref, pour être informé de ce qui se passe en France, comme par exemple la remise au maréchal Sissi de la Grande Croix de la Légion d'honneur soit la plus haute distinction de l'ordre de la Légion d'honneur en France. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?– ben, Je pense que si ça, nous empêche, si ça nous empêchait de dire les vérités qu'on a à dire à ce dirigeant, ce serait un problème. On a démontré, et en tout cas le président a démontré, et lorsqu'il a reçu Donald Trump, et lorsqu'il a reçu Vladimir Poutine, que lorsqu'il avait des choses à dire, il ne se cachait pas. Ah bah là, rappelle, en l'occurrence, l'occurrence s'est caché puisqu'on pouvait je pas rappelle, Mais je vous rappelle que lorsque lorsqu'il a invité euh, Vladimir Poutine, il lui a dit directement que des pressions et des manipulations sur l'opinion avaient été faites. Je vous rappelle que lorsqu'il a accueilli là, on parle Donald du Trump, 166e euh, pays sur 180, oui, non, mais, 180 au classement de, 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 de la de la je presse. Poursuis. Je vous rappelle que lorsqu'on a accueilli Donald Trump, on lui a dit de compenser le de respect de l'accord de Paris et lorsque le, on, a, on accueille euh, le maréchal Sisi. Euh, il y a bien évidemment des grilles à lui faire sur le respect des droits de l'homme et sur le fonctionnement de la démocratie et qui est loin euh, de pouvoir mériter un tel nom dans le pays qui est l'Égypte. Le général Sisi ne sera pas Emmanuel Macron ce que le colonel Kadhafi a été à Nicolas Sarkozy Je ne souhaite pas, non. Hum. Euh, il nous reste très peu de minutes. C'est pour ça que j'ai envie de vous... Parler d'un dossier local. Euh, les fonderies du Poitou Font fermeront définitivement leurs portes euh, l'an prochain suite à l'arrêt des commandes de la part de Renault, même si ça ne relève pas de votre circonscription. Vous êtes député de la Vienne, j'imagine que vous avez un point de vue sur ce dossier. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter les réactions de salariés de la fonderie que nous avons recueillis au lendemain de l'annonce de la fermeture prochaine de l'usine. 23 ans d'une vie euh, où, je vous dis, c'était vraiment une passion avant tout. On n'est jamais en marche arrière sur, euh, sur ce site. On avait l'espoir euh, que Renault fasse quelque chose pour nous. Et. Bah, euh, voilà, c'est fini. <laughs> ça fait bizarre de reprendre le, le travail avec, euh, avec cette sensation-là. Là. En sachant que c'est bientôt la fin. Voilà, quoi. en sachant que c'est la fin. Voilà, ouais, c'est un gâchis. C'est tendu. C'est très tendu ce matin. Alors, on a travaillé, mais plus ou moins. Quoi. Voilà. C'est difficile de revenir dans ces conditions ah, pour certaines personnes, oui. Même pour moi. C'est décevant. Et il n'y a plus de travail sur le Châtel-Rodet. Donc, euh, bah, on se pose les questions comment on va faire maintenant Sacha vous est-ce qu'on n'est pas là dans un cas très concret des conséquences du libéralisme économique cher Emmanuel Macron non, Moi, je suis un, un gamin d'Ozi. Donc, les, les gens qu'on a vus à la télé, euh, c'est mes voisins. De quand j'étais gamin. Euh, et euh, c'est des gens que je connais, et parfois même qui ont déjà subi des drames, comme New Fabrice en, en, en 2008. Euh, et donc c'est un peu l'histoire industrielle de Châtellerault qui a interrogé. Et ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de dignité chez ces salariés, parce qu'il euh, y a eu une grande responsabilité de leur part et de la part des syndicats. Alors, quest ce qui a péché C'est surtout le travail de Gouniafier de la part de, de, des dirigeants de Liberty. Parce que lorsque Renault les appelle une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, pour leur dire, on a encore quatre ou cinquante carter fontes à faire sur le site, ben ils répondent pas. Et c'est pour ça qu'il y a un contrat qui est signé en Espagne pour produire les carter fontes. Et donc c'est eux qui sont les, les premiers responsables. Donc il y a un problème sur l'actionnaire. Il y a des plans de, de, finalement reclassement qui sont proposés à la fois sur le site pour le, le recompactage ou des, en tout cas la, la reconversion de véhicules de véhicules d'occasion. Il y a un plan pour une reprise dans l'alu, euh, mais euh, on est totalement mobilisé sur cette question. Il y a 85 élus qui viennent de signer une lettre qui part à, au Premier ministre. Enfin, il y a deux ans, l'État et les élus disaient vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer encore une fois. C'est quoi l'incompétence les... du cynisme C'est quoi par rapport à cette, de ce dossier je, enfin, je vous viens de dire que chez Liberty, il y a eu beaucoup trop de légèreté, beaucoup trop de mensonges et, et finalement une perte de confiance. Mais qu'il nous appartient de trouver la solution pour que. l'État n'a rien pu faire. Que les 120 salariés qui sont concernés soient reclassés. Pour ceux qui sont concernés, puisque ceux qui restent sur les 292. Mais en amont, l'État n'a rien sont... pu faire, pardon de en assister, mais, mais l est est -ce l encore sa... une fois, l'État a des conséquences du libéralisme non, économique. Non, l'État avait accompagné la reprise, l'État avait trouvé un, un repreneur. Le problème, c'est que le repreneur qui a été choisi, et qui était parmi l'un des seuls à ce moment-là, n'a pas été à la hauteur, parce qu'il a même pas saisi les... d'abord, il n'a pas saisi la main tendue du donneur d'ordre, Renault, pour produire ce qu'on lui demandait de produire. Et deuxième chose, il avait aussi une deuxième obligation qui était de diversifier. Lorsque vous avez un seul client, donc Renault, pour Liberty, vous en cherchez d'autres. Et Liberty ne l'a pas fait. Donc, ce qui a été fait par l'État a été fait pour sauver le site. Le repreneur qui était celui du site a été défaillant. Et donc, il appartient désormais de pouvoir proposer une solution à tous ces salariés, 292 en tout, dont 120 ont déjà une perspective, mais c'est pas suffisant puisqu'il en reste. Il nous reste, je crois, une minute. J'ai pas très bien entendu dans mon oreille ce qui nous restait. Deux minutes, un mot, s'il vous plaît, sur Léonore Mont conduit, élu. Vous êtes député de la, de, de la Poitiers, on ne va pas le dire, euh, élu à 30 ans en juin dernier, maire écologiste de Poitiers. Qu est ce que ça m'intéresse de savoir quel regard vous portez sur cette élection Elle est jeune, comme vous. Bah, écoutez, moi, le, le, le visage des élus m'importe peu dès lors que mon but c'est de faire réussir Poitiers. Depuis le début du quinquennat, on a eu un plan qui permettait Action cœur de ville de rénover la ville, un plan sur l'investissement locatif. On a fait venir, enfin, fait consacrer Poitiers capital d'éducation, fait venir les étages numériques. Et j'ai reçu certains dossiers pour pouvoir aider dans le plan de relance, notamment sur le ferroviaire et construire une étoile ferroviaire autour de Poitiers. Chaque fois que les élus de Poitiers auront besoin de moi pour que l'État leur donne un coup de main, ils me trouveront, peu importe finalement leur visage ou leur figure. La mairie de Poitiers, c'est un objectif pour vous non. Franchement, non. Là, Sacha Oulier, ce n'est pas un objectif pour vous à terme, la mairie de Poitiers bah, Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a d'abord une crise à surmonter et que j'ai un boulot qui me prend euh, au moins 90 heures par semaine et que je n'ai pas beaucoup le temps de penser pour l'instant à autre chose que pour la situation. Très bien. Merci beaucoup, Sacha Oulier. Juste une question dans un an les, et demi, c'est les législatives. Vous serez candidat Bon, vous me laissez finir on mon travail tra d'abord Olivier <laughs> Falorni a dit oui la semaine dernière, c'est pour ça. D'abord, vous me laissez finir mon travail parce que, comme l'a dit le Président, on aura des décisions difficiles à prendre, notamment sur les vaccins, et donc il faut pouvoir les prendre un peu libérés de ces... C'est hein. la fin de cette émission. Merci Sacha Oulier d'avoir accepté notre invitation, émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous l'an prochain, le 10 janvier 2021, pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. D'ici là, passez malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année pour leur place au Journal de la Mi-Journée. Excellente journée à toutes et à tous.